Grâce à Talia, le mal absolu vola une flotte de navires à bord de lac. Elle mettait voile vers Termitière, qui était le siège de la magicienne Yana Outrefière. Comme tout héros qui se respecte, elle n'appliquera pas les ordres de Thanos qui consistaient à se barricader pour augmenter leur défense dans la campagne principale de Dungeon 3. Bonjour et bienvenue sur Refuge et Joueurs. Aujourd'hui, nous allons faire la partie 2 de cette campagne principale de Dungeon 3. Je ne sais plus le titre. Voilà, je sais que c'est l'épisode 9, mais c'est tout ce que je sais, c'est et c'est la deuxième partie. Voilà, La puissance de Tolaran est avec moi. Et toi ? Elfe noir, votre engeance maléfique ne peut pas l'emporter ici. Nous allons raser Tolaran. Quand nous en aurons fini, on pourra y installer un parking. Ouais. Ah, ça y est, je commence à avoir assez de recherche, de basse faisance pour faire ça. Oui ! Ça y est ! Hop. Alors, je n'ai pas Talia dans cette partie, tout simplement parce qu'elle est en train de faire son rayon basique pour faire avancer Crowley. Et Crowley est invulnérable pendant un petit temps comme ça. Autrement, je me fais attaquer sur les deux côtés. Donc j'essaye à fond. Les fabuleuses compétences de Crowley n'attendaient cependant qu'un signal du mal pour se déchaîner. Oui. J'essaye de me faire un bon donjon. Mais pour l'instant, c'est pas le mana qui manque, c'est les caisses qui manquent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est bon, tout le monde. Oui, c'est bon. Tout le monde s'est amusé. Non, je peux pas mettre un piège dedans, c'est dommage. Oui, ça aurait été marrant, mais non. J'ai pas. Voilà. Donc lui, il fait du mana et en plus, il se soigne. Je devais faire également une salle de relaxation pour les démons. Et je l'ai mal positionné, je vais me foutre ici. Là. Ils en ont besoin pour level up. Pour monter de niveau au-dessus. Voilà. Mes petits problèmes, j'ai envie de vous dire, c'est que les salles de relaxation coûtent énormément de mana. Oui, ils disent la salle est trop petite. Le mâle avait construit une chambre de relaxation pour ses démons. Il pourrait s'y prélasser dans des bassins de mana essentiels pour permettre aux démons d'atteindre un niveau. Ah, c'est du 2 sur 2. Ok. Pour attraper ici, il me faut ça. Tout bêtement. Voilà, ça va utiliser mon du mana. Énormément de mana. Voilà. Et je vais faire ça. C'est automatique, c'est pas moi qui les place. Je pourrais aussi faire ça, autant profiter, oui. Vas-y. Voilà. Non, le mana, je l'ai pas perdu. Il faut juste qu'il le replace. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai assez de malfaisance pour acheter ceci. Non, dommage. Alors, on va faire la salle de conférence où? Tiens, on va faire là. 3 sur 3 sur 3. Et on en fait encore. Ouais, on va faire du 6 sur 6. Ça va aller bien. Oui, je parle français. Ça va aller bien. Au niveau, on va faire également des portes. Des shirts avec des portes. Oui, mais ça rajoute 10%. Et c'est très important, les 10%. Ah ouais, mais j'aime pas ça.
Alors, non. Ah, coupez. Il me faut faire ça et ça. Ah, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il est hors de question que, mes, que les héros me volent l'argent. Ah ça, je déteste ça. J'ai vu. Ils vont m'attaquer en bas. C'est pas grave. J'ai vu. Yes. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Voilà, c'est pas mal. Et après, je vais continuer, je vais pas aider Crowley. Au moins, ça a tué pas mal de personnes. À quoi ça sert la salle de torture? Alors, je vais vous l'expliquer. Très simplement. Qu'est-ce que vous voyez là? Héros. On peut convertir des héros en anti-héros. Et ils ont des... Le mal gloussa à l'idée d'ériger une chambre de torture. Ouais. On pourrait y utiliser toutes sortes de techniques d'interrogatoire renforcées. Pour persuader les héros de passer dans le camp correct, diabolique. Tout à fait, voilà. Mais pour cela, il nous faut un personnage particulier. Et ouais. Et comme le jeu est bien fait, ce personnage-là, c'est la succube. Gay. Pardon. On va pas continuer. On va... J'ai pas compris pourquoi ils étaient pas avec eux, mais c'est pas grave. On va voir ce qui se passe. Non. Lentement, mais sûrement, Crowley fut repoussé. Le mal devrait l'aider, et vite. Mais il est long à la détente. Oh, tais-toi. Je suis pas si long. Je l'ai vu. Oui, le zombie, il est sorti de terre, gentiment. Trompé. De toute façon, j'avais pas assez de ma faisance. On va avancer un tout petit peu. Foudre, va, vol, cours et nous venge. C'est fini les citations classiques pour bachoteur au crâne mou. Ça m'empêchera pas de l'emporter un doigt dans le nez. Avancer. J'ai assez de ma faisance pour ma jolie succube. Succube. Je l'adore. Voilà, donc le lit, bah voilà. Sally Malik. Ok. J'avais dit que ici c'était quoi? Je sais plus. Ah oui! Oui, la salle de conférence. La succube. Voilà, c'est automatique et c'est 3 sur 3. Donc c'est 3 sur 3. On va faire 3 tortures. Hop, vas-y. Pourquoi
tu casses le tréteau? Bah tout simplement parce que le tréteau il est chiant. Parce qu'ils vont attaquer automatiquement le tréteau. Le gobelin il est très bien placé là. Non, attaquez-moi ça. J'adore cette flèche. Voilà, il y a une manchille de moins. Dame blanche. Voilà. Des ennemis se trouvent dans votre dos. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que je l'avais pas vue. Mais si, c'est une bonne nouvelle. Bah oui, c'est bon. Voilà. Et vous allez faire un petit sort. Où il est, le sort? Il est là, le sort. Et c'est bon, j'ai assez de mana pour... Les fabuleuses compétences de Crowley n'attendaient cependant qu'un signal du mal pour se déchaîner. Oh! Salut, Malik a volé. La pauvre. C'est une succube. Pourquoi tu dis la pauvre? J'ai droit à avoir de la compassion pour les succubes. Je les aime bien, ces bestioles. Bon, je trouve ça marrant, moi. Une salle a été accidentellement ouverte. Ouais. Libérant... Vraiment accidentellement. Tout le monde est mort? Moi, je me comprends. Alors, il me faut... Hop. Recoucher le trou. Le mâle avait construit une chambre de torture où il pourrait persuader les héros de voir les avantages de rejoindre le côté obscur. En utilisant les instruments de torture, faut-il le préciser? Non, t'as pas besoin de le préciser. Voilà. Alors pourquoi j'en fais trois? Parce que je sélectionne ce que je veux. Je veux prendre la protectrice. L'apprenti, ça m'intéresse pas. Bon, si, on va essayer de prendre des apprentis parce que c'est pas automatique. Voilà. Tout bêtement. On va faire 1, 2. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ensuite, j'ai fait la salle de conférence. On va faire l'amélioration de la salle de conférence. Hop, on va voir ça. Les succubes. Voilà. Réduit le délai de récupération en jalement. Autrement, ici, les instruments de torture ont 100% de réussite. Autrement, ils ont moins. Et là, j'ai droit à 4 champions. Héros. Ah. Voilà. On va essayer d'avoir la protectrice. C'est pas mauvais avoir des elfes avec nous. Oh, j'ai cru que j'avais mal placé mon mug. Ouh, j'ai eu peur. Ah, j'ai 16. Je peux faire des portes. Portes. T'es chiant avec des portes. J'adore ça, les portes. Voilà. Voilà. Comme ça, ils font le dos. Ici, voilà. Il y a autre part. Oui. Et c'est déjà pas mal. On va déverrouiller si possible porte renforcée, écraseur. Voilà, c'est ce que je voulais. Je veux l'écraseur, mais j'ai plus de malfaisance. C'est pas grave. Ah, j'ai pas réussi à la voir. C'est pas grave. Je vais l'aider. Voilà. C'est pas elle que je voulais. Sauve-toi. C'est pas grave. Elle a pas compris ce que je voulais faire, c'est pas grave. Ah là. C'est tout bête, hein.
Je suis au max, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis au max. Donc, j'ai pas réussi. C'est pas grave. De toute façon, je trouve qu'ils étaient pas... ils étaient pas bons. Attention. Et c'est pas réussi. C'est dommage. C'est pas grave. Il me faut... Hop. On va, cette fois-ci, prendre l'écraseur. Ainsi que... Je peux pas... Il faut aussi ça, c'est important. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ah bah on recommence. Allez hop. Et hop là. Ah, il y a une rôdeuse. C'est un niveau 3 direct. Super, et en plus il y a la recherche qui se fait. Donc moi je suis contente. Voilà, on va ici. Voilà. Voilà, on va la laisser. Je vais... Est-ce que je vais sortir pour tabasser? Je sais pas. Ouais. Quand j'en aurai terminé avec vous, je raserai Dolaran. Vous ne l'emporterez jamais. Allez, allez, allez. Allez, Sally. On gagne toujours. Pourquoi t'es sorti par là? T'avais mis un truc là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Où est voilà. Allez les zonzons. Bibibi. Jour de paye. Ok, on va essayer par là. Crowley se faisait repousser. Le mal devait envoyer ses créatures afin de les... J'arrive. Elle est où? Elle est là, la rôdeuse. Obligatoire. Non, moi je veux qu'il soit là. Bon. J'arrive. Mais c'est pas grave ça. On laisse passer. Voilà. Crowley va avancer. Non. Tiens, allez à toi. Faut que tu sois plus intelligent sur tes choix. Oui. Laisse-moi être tranquille, ouais. Hop là. Est-ce que j'ai réussi à faire... Non, j'ai pas fait ça. Ah! Ah! Mais, je peux faire de la bière. Et ça, c'est bien. Où va-t-on faire la bière? Tiens, la torture à côté. Pourquoi pas? C'est rigolo. Pas le contraire. Voilà, hop, la bière. Voilà, et après je compléterai. Tant que eux ça bouge. Ah, il y a Zonzon qui reste même pas 10 points de vie. Hop, hop, on stun. Allez, allez. Oh, ça
fait 20 minutes que je suis avec vous, c'est bien. Les héros se dirigent vers une de vos îles de malfaisance. Attendez. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Oui, il est mort. Dès que j'en aurai un, je vous le montrerai. Ah ouais, je viens juste de le voir. Crowley. Parfait. Cela va ajouter plus de puissance. Il est temps de mourir, Yaina Outrefière. Non, 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 les gars. Je veux passer. Les gars, je peux ? Hey! Stone! T'as fait tout le tour! Ouais! T'as perdu des bonhommes! Non? Non, j'en vois pas, moi? Bah. Je me comprends. J'en ai pas perdu. J'ai fait tout. Non mais oh, c'est ma faisance. Mince. Voilà. Ah, toujours pas. Ah! Ah! Où sont ces héros quand on a besoin? Hop! J'ai pas mal de malfaisance. Ce qu'on va faire, c'est améliorer ceci. On va améliorer le nombre de parchemins. Ce qui n'est pas mauvais. On va renforcer les orques. Et on va renforcer également les gobelins. Oui, c'est 25 mana. 25 mana, c'est 25 mana. Ouais. C'est jour de paix. Les fabuleuses compétences de Crowley n'attendaient cependant qu'un signal du mal d'ailleurs, pour se déchaîner. Ouais, j'ai l'écraseur. Je le trouve génial, ce piège-là, je le trouve génial. Non, pizza. Ah, je suis triste. On va laisser le gobelin. Pourquoi? Bah, ça, il fait les pièges, tout bêtement. Pas content, pas content. Oui, bon, il y a juste lui qui est pas content au final. Waouh. Allez, vas-y. Ouais. On va essayer de faire avancer Crowley. Il ne peut en rester qu'une. Et ce sera moi. Voilà. Pendant ce temps, Crowley avait fait plus de la moitié du chemin. Encore quelques efforts et Dolaran tomberait. Jamais. Chut. Soldats, à l'attaque. Voilà. Non, ça stone pas le canon. C'est pas mal. Faut juste que j'attende que ça recharge. Crowley, occupe-toi de ces spéculateurs. On va voir si la dérégulation financière va les sauver. Jamais! Ce ridicule démon n'a aucun pouvoir ici! À la preuve que si. Opération attaque furtive!
C'est parti! Le mâle imprudent était tombé dans l'embuscade des gentils, qui prirent beaucoup de plaisir à réduire son armée en charpie. Cela allait coûter de nombreuses pertes, mais le mâle ne voulait pas entendre parler de la pénibilité du travail. Je vais faire le tour. Ouais, réellement, je vais faire le tour, oui. Ils ont mal, là, par contre, des bonhommes. Allez, va faire du mana. Oh ! Nero était entré dans le donjon par l'entrée de service. Hein ? Nero dans le donjon par l'entrée de service ? Alarme ! Alors ? Ah oui, c'est une prêtresse, c'est niveau 3, exactement. Voilà, boum ! Viens là, toi ! Ouais, un guerrier, un garde... Ouais, on va essayer de prendre les trois, là. Mais principalement, je préférerais avoir la prêtresse. Où est ma Calypso ? Merde. Où est ma Calypso, moi. Voilà. Bah, elle était en train de torturer. Je suis vilaine. Allez, plus vite. Les fabuleuses compétences de Crowley n'attendaient cependant qu'un signal du mal pour se déchaîner. Voilà. La bière coule à flot. Je me suis dit, mais mince, j'ai pas d'argent. Pas d'argent pour une porte. Oui, ça c'est lentement, bon. Mais sûrement, Crowley fut repoussé. Le mâle devrait l'aider, et vite. Mais il est long à la détente. Pas long à la détente, c'est que j'essaye d'aller plus vite possible. Oh là là, ils sont plus nombreux là. Et je voudrais faire le tour, moi. Mais elle est où ma succube ? Elle est là. Avance. Allez, avance. Il ne peut en rester qu'une. Et ce sera moi. Il passe, hein. Voilà, je veux que tu la tortures. Ah. C'est qui, Karek? Ah bah ouais. Rentre. T'as faim, vas-y, rentre. C'est jour de paix. Il faut pas passer par là. On fiche. Ça fait une demi-heure que je suis avec vous. Là, s'il vous plaît. Ah, c'est une sacrée... comment ça s'appelle? Oula, demi-tour.
Comanche, c'est pas grave. Oh là 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 là, les deux. C'est pas grave. Hey, Dibilous. Rentre. Rentre. Cours. Comme si ta vie en dépendait, et c'est le cas. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Oui, c'est pas grave. Ah, c'est juste une roublarde. Ah, 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 ah. Nous avons une traîtresse avec nous. Les fabuleuses compétences de Crowley n'attendaient cependant qu'un signal du mal pour se déchaîner. Bah vas-y hop. Oui, plus de puissance. Là c'est bon, j'ai assez. Merci, Crowley. La mort approche, Yaina. Tiens. J'ai un garde, un guerrier. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas de mage. Alors, où est-elle? Je vais vous montrer où est la pupusse. La pupusse. Salut pupusse. Voilà. Salut. Je peux la prendre, je peux la déposer comme tous. Hein, hein, la reine des neiges en mode diabolique. Regarde-moi. Voilà. Quelle est belle. Voilà, voilà. À quoi ça sert? Une succube. Donc je vais vous laisser là pour cette partie 2. Je sais plus du tout le nom. Je sais que c'est Dolaran, Dolaran, ça doit être ça, un truc comme ça, Dolaran, et peut-être la chute ou la bataille ou un truc comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine pour la partie 3, ça fera 1h30, on sera, normalement, nous serons à lundi à 19h pour la partie 3. Allez, zou!